Attends, j'essaye une avant. Salut. Comment tu t'appelles, toi? Ah ouais, ça fait n'importe quoi, là. Tu veux des crêpes, alors, regarde. Attends. Là, on va te commencer à décliner. Elle n'est pas prête, hein. Comment ça, quand tu m'as crié? Mais non, il me va. Bien, alors là, je prends extraordinaire. Super galette pendant 2 jours et demi. Et là, il est en train de faire des trucs pour les filles. Mais regardez ça, quand même. C'est quand même de la bête. C'est joli, ça. Pas sans plaindre. Alors Fabrice, qu'est-ce que t'as fait de ta femme? Elle est partie? Elle est partie. 3 jours de stage, elle t'a quitté. Et voilà. Abandonnée. Non mais elle est comme toutes les stars, elle veut pas apprendre la voix. Hein? Mais c'est marrant, tu peux faire plein de choses, t'as vu? Donc Fabrice, toi, t'as déjà une pizzeria. Oui. Hein? Donc notre projet en arrivant ici, effectivement, c'était d'apprendre à faire des crêpes pour compléter l'activité pizzeria, tout simplement. Mais donc nous avons une pizzeria à Marsanne, c'est dans la Drôme. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'on est installé là-bas. Ouais. Et donc on a décidé d'augmenter un petit peu l'offre et de proposer depuis peu donc des crêpes. Mais c'était un ressenti ou c'était la clientèle qui demandait des crêpes? Ou les deux, vous l'avez ressenti? On l'a ressenti, il y a un créneau à prendre tout simplement. Ouais. Ouais. Il y a très peu de crêperies dans la région où on est installé. Et ben voilà, ça correspondait, je pense, à un besoin. D'accord. On va combler un trou. Mais donc avec une offre tant... Donc là, on va continuer bien évidemment à faire des pizzas et on va proposer des crêpes en plus. D'accord. Alors là, on a voilà. Donc nous, ce que l'on souhaitait, ben, c'est en s'inscrivant à la formation l'Heroic. Ouais. Ça correspond tout à fait à ce que nous, on attendait, c'est-à-dire une formation courte sur 3 jours. Ouais. Bon, ce qui était important d'acquérir, c'est le geste. Et bon, toute la théorie de la farine, je dirais, on la connaît déjà un petit peu. Donc c'était vraiment le geste à acquérir. D'accord. Et après, générer des idées sur plusieurs Alors manières après, de effectivement, cuisiner. Il y a plein de choses. Là, on a découvert que on pouvait faire plein de choses avec les crêpes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, tout simplement. Ouais, c'est sympa, c'est bien. Donc dans la Drôme, Marsanne. À Marsanne, dans la Drôme. D'accord. Donc on précise que tu n'es pas venu tout seul, mais que de toute façon, je ne vais pas insister parce qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse parce qu'elle était dans Secret Story, dans la piscine, hein, à l'origine. Allô, Anna? Non, c'est Annie. Annie, mais voilà, Annie est dans son coin. Et devant, là, on a notre artiste. On peut dire l'artiste? Oui. Ah oui, on peut le dire. Sébastien, le grand Sébastien. Qui lui est venu avec un projet pour 2063. Hein, donc pour l'instant, il a un autre métier, autre chose, mais il avait vraiment envie de... Voilà, il y avait quelque chose, quelque part, n'est-ce pas? Voilà. On ne dit pas ton métier? Non. On ne dit pas ton métier. Il opère que les gros doigts de pied, à gauche et à droite. Voilà. Il a un métier très particulier, mais on n'en dit pas plus. Voilà, et ça rapporte beaucoup la prostitution. Hein, c'est ça. Ah, c'est génial. En tout cas, c'était très bien de vous avoir tous les quatre. Là, c'était un plaisir pour nous. Alors, franchement. Et le jeu, c'est bien. Alors, moi, j'ai toujours un petit truc, c'est quand même aller un petit peu plus vite. Parce qu'elles sont très bien tournées. Et je pense que c'était marrant, hein. Tous les quatre, au lieu de faire une accélération à la fin, comme moi, j'aime bien faire, c'est qu'un petit sac, vous ralentissez à la fin. Ça, c'est incroyable. Alors, ouais, tout, alors c'est marrant. Hein, et autrement, on a lui la doublure de Dali Picasso. Alors lui, il est un truc japonais. Là, ça va vous mettre sur la piste. Il est en train de faire un bateau. Il est en train de me dire j'ai envie de me barrer. Mais en fait, c'est un bon exercice, ça, sans blaguer. C'est super. Non, mais Sébastien, c'est un bon exercice parce que tu es obligé de tourner vite dessus. Ouais. Alors donc, c'est pas idiot, mine de rien. Tiens, je vais t'en faire faire, toi. Mais c'est bien, vous avez très bien tourné, hein, tous les quatre, c'est bien. Alors vous avez vu qu'on a des hauts et des bas, hein. Ouais. Les moments, mais vous savez, même dans en situation, bah, comme pour toi, les pizzas et tout, il y a des fois, t'as envie, quoi.
Et puis, c'est des fois où ça va pas, et puis on travaille avec des matières premières qui sont vivantes. Hein. Tout à fait. La pâte est vivante, ça, c'est sûr. Quand le bonheur en passant vous fait signe, alors je reviens. En passant vous fait signe, s'arrête. Il faut lui tendre la main sans attendre à demain. J'ai raté. L'amour est un bouquet de violettes. Allons, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Ça veut dire, attends, il chante vachement bien, et en plus il s'est tourné. Ah non, pas là. Ah, c'est sublime. C'est une demi-crêpe. Moi, ce qui me fait peur, c'est un genre, un type qui vient me dire, je vais changer de métier, en fait, je suis dans les pompes funèbres. Putain, ça va pas être drôle.